If you love drive Tractors, we will love these cars. And kick down! Oui, oui, j'aime bien cet endroit. Hein. Les amis, je suis déçu aujourd'hui parce que aujourd'hui, je devais tester une voiture atypique. C'était la dernière microcar MGO. Mais le problème, c'est que la concession est fermée. Du coup, avoir chargé les batteries, avoir fait le plein de la moto n'a servi à rien. Sauf si... Vous l'avez compris, la bête que nous avons sous les yeux n'est pas atypique. Aujourd'hui, nous essayons une Exam GTI, mais attention, une Exam GTI tuning, les amis. Encore que, même si les goûts et les couleurs, évidemment, sont partagés entre tous, bah, force est d'admettre que la voiture est pas si moche que ça. Personnellement, j'aime beaucoup. Bah, concernant le design, comme je vous disais, c'est une GTI classique, hein, à part qu'elle ait totalement été floquée sur le côté. Alors vous pouvez voir ici un covering, hein. C'est pas un teinté dans la masse ou etc. C'est un vrai covering à la GMK, s'il vous plaît. Voici d'ailleurs le logo du préparateur. Je ne suis pas payé par lui, évidemment, c'est simplement que j'aime bien ce qu'il fait. Et puis voilà, quoi. La voiture est malheureusement montée avec des jantes de 15 pouces. C'est un peu dommage, j'aurais préféré avoir les jantes chromées de 16, mais bon, on peut pas tout avoir. Vous avez forcément le fameux béquet de la GTI. Bon, eh bien, il faut rendre à César ce qui est à César. Mais force est de constater que... c'est pas trop mal, hein. Vous avez des sièges en cuir, des magnifiques sièges en cuir. Par contre, ces sièges-là sont absolument affreux, puisque... alors, niveau design, ils sont assez jolis. Ils ont un design siège baquet. Vous avez presque les trous ici pour mettre les harnais. Je plaisante. Mais le problème, c'est qu'ils ne maintiennent rien. Vous pouvez voir ici ma magnifique... mon magnifique corps de facochère, et je peux très vite valdinguer. C'est un peu dommage. Bon, après, évidemment, j'aurais pas énormément de trucs à vous dire sur cette voiture, parce que l'intérieur est quand même assez commun. Si vous voulez une présentation un peu plus détaillée de l'intérieur, ben, je vous renvoie directement sur ma vidéo de la coupée électrique. Mais je vais quand même vous dire 2-3 choses sur cette voiture, parce que la coupée, c'est l'une de mes VSP préférées, après la Spinino, bien entendu. Bien quand même, force est de constater que cette version coupée, ben, en s'abstenant du décor qui a été fait sur la voiture, des améliorations esthétiques, ben, force est de constater qu'elle est plutôt pas mal. Regardez, ne serait-ce que le design des feux, tout en agressivité comme ça, la calandre en nid d'abeille à la Audi, s'il vous plaît. Et si, il copie Audi, attendez, ça, le nid d'abeille, allez chez Audi, allez voir une RS4, vous allez voir. Un petit diffuseur, une petite lame, pas piqué des hannetons, bien entendu. Des feux anti-brouillard ainsi que des feux de jour. Bien, maintenant, en tant que passager, puisque je suis toujours sur la place du conducteur, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de la place passager? Ben, c'est pas inconfortable. Je vais me mettre en condition. L'intérieur est pas immonde. Par contre, ça se clac-clac. Les gars, la prochaine fois, mettez-nous un petit clac-clac-clac-clac-clac comme ça, plutôt que de laisser dériver. C'est un petit détail, certes, mais ça fait c'est ce qui fait toute la différence. En revanche, la chose que je remarque sur cette planche de bord, c'est que, bon, la planche de bord est certes un peu ancienne, il s'agit de versions de 2015, 2016 et même 2017, avant le relift, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, nous avons déjà un modèle haut de gamme. Un modèle haut de gamme, mais sans option, parce qu'il faut savoir qu'il faudra aussi acheter les options. Je sais, c'est pas terrible, en tout cas, sur cet ancien modèle. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, voilà quoi,
Je peux très bien taper la console centrale. La qualité des matériaux est franchement bonne. Idem pour ce qui est de l'ergonomie de la planche de bord, tout simplement, et des vitres électriques également. Alors, le contact a été coupé, donc ça ne fonctionnera pas, mais tant pis, ça illustrera très bien. Pour ce qui est du tableau de bord, eh ben, le tableau de bord est, de mon point de vue, comme ça, pas terrible quand on voit les nouveaux. En revanche, déjà, la petite animation, personnellement, je la trouve sympa. C'est un écran à cristaux liquides, mais bon, pas de souci pour ça. Simple pression sur ce bouton pour changer et pour faire dérouler le menu, on va dire. Alors, vous avez, comme d'habitude, le trip A, le kilométrage partiel, le temps de conduite et la vitesse moyenne, le trip B, qui est une remise à zéro du trip A, comme d'habitude, l'affichage de la température en degrés Celsius. Je pense qu'on va pouvoir la changer pour des degrés Fahrenheit. Des fois que vous vouliez l'avoir en Fahrenheit, l'heure, évidemment, le témoin de rapport engagé, qui fonctionnera même quand la voiture est à l'arrêt, un petit bip pour la marche arrière, et un témoin de neutre, et ici, évidemment, le kilométrage total de la voiture. Maintenant, je vous propose un petit tour pour voir à peu près quelles sont les performances du véhicule. Alors, comme d'habitude, ce ne sera pas une Ferrari, hein. Je vous rappelle qu'elle fait que 8,1 chevaux, parce que ce sont les nouveaux moteurs. Donc on va tester un peu l'accélération ainsi que le freinage, car ce modèle possède l'ABS, donc on va pouvoir s'en donner à cœur joie. En tension, kick down, c'est pas transcendant mais ça va, et là, ça stoppe, de suite. Et c'est bon, on peut remettre pied au plancher. Enfin, c'est pas mal, hein. Ça se voit pas à la caméra mais c'est assez vivace en fait. Donc voilà pour ce petit test de la GTI. Bon, mais c'est sur ces images qu'on va se quitter, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette voiture? Bon, c'est vrai que c'était pas un vrai test, puisque de toute façon, c'est une ancienne voiture. Celle-ci est de 2017-18. Alors, je sais pas. Mais bon, on a quand même un catalogue d'options qui est plutôt sympa. Bon, ici, cette version, on n'a que l'autoradio, mais on a quand même, j'allais dire le chauffage, logique. Non, on n'a pas la climatisation. Le dégivrage, enfin, ça, c'est un peu normal. Les vitres électriques manuelles et à impulsion pour le chauffeur. 4 bouches d'aération. Ça va peut-être vous faire rire, mais en tout cas, les modèles bas de gamme ne l'ont pas. L'ordinateur de bord. Les bip-bip de recul, le radar de recul, donc voilà, c'est plutôt sympa. Puis la voiture est quand même assez agréable à la conduite. En revanche, ceci, deux défauts à mon avis, le bruit du moteur, toujours, et le bruit des portières, et la difficulté qu'on a à les fermer. Peut-être que la trappe est trop basse, enfin en tout cas on n'arrive pas à bien la prendre en main. Donc ça c'est un petit peu dommage. Enfin, bon, conclusion, moi je suis plutôt content. De toute façon, si ça me plaisait pas de tester des VSP, je viendrais pas, donc voilà. Bon, mais en tout cas, moi je suis plutôt content d'avoir testé cette voiture. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à voir la vidéo que moi, je n'ai eu à la tourner. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!